Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Toi aussi, toi aussi t'as du mal à arrêter de fumer. Écoute, aujourd'hui je vais te raconter mon petit secret qui m'a permis d'arrêter de fumer. Ça s'appelle la Clément Clope. La Clément Clope. Alors c'est un nom un petit peu rigolo, c'est vrai. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est la Clément Clope? La Clément Clope, c'est l'union de deux choses. Les dernières recherches en neurosciences et des recherches de nutritionnistes. Et tout ça, ça fait la Clément Clope. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, on va allier en fait deux techniques d'hygiène de vie et de psychologie. La première, c'est l'implémentation. Parce qu'effectivement, la cigarette, quelque part, c'est une habitude. Et on sait qu'il est très difficile de supprimer une habitude, fût-elle mauvaise, sauf si on l'implémente, si on la remplace par une autre habitude. Concrètement, l'implémentation, je vais prendre ma mauvaise habitude de la clope, je vais l'écraser avec une nouvelle habitude qu'on va venir par-dessus. Cette nouvelle habitude, on va l'avoir choisie et elle sera beaucoup mieux pour nous que ce petit machin-là. La deuxième chose, c'est dans le cadre de l'hygiène de vie, le cadre de ma méthode BMDS, une méthode, on a déjà parlé de ça ensemble et on va être voué à en reparler encore un petit peu. On apprend avec cette méthode à bien boire, manger, dormir, faire du sport et bien manger notamment. Alors, tu vois peut-être où je veux arriver à en venir. Avec ma super technique Clément Clope, au lieu de fumer de la merde, on va manger quelque chose de bon. Au lieu de fumer, là, cette putain de saloperie de cigarette, on va manger une clémentine. C'est la technique de la Clément Clope. Je remplace cette putain de saloperie par une bonne clémentine. Alors, une clémentine. Je te parle de clémentine parce que c'est l'hiver, c'est la saison des clémentines. Elles sont bourrées de vitamine C alors qu'on en a bien besoin. Mais bon, cet été, j'aurais peut-être pu faire une autre technique. Mais pour l'hiver, disons que c'est la Clément Clope. Et alors, tout ça a du sens, les amis, tout ça a du sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, amis fumeurs, faut pas déconner, quand tu pars fumer ta clope, tu souscris pas en fait à un cancer. C'est un effet secondaire. La clope, elle rentre dans le cadre de la post-clope. C'est-à-dire que là, on rentre dans un paradoxe absolument extraordinaire. C'est très sain de faire une pause. C'est très sain de faire une pause. Pour être productif sur une journée de travail de 8, 10, 12 heures, je ne sais pas où tu en es, c'est très sain effectivement de faire une pause, plusieurs pauses par jour. La clope, voilà, ça dure entre 3 et 5 minutes. On sort dehors, on prend l'air. On fait une pause. Dire que c'est une méditation, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on fait cette petite routine, ce petit rituel, parfois seul ou en groupe, on se déconnecte de ce qu'on est en train de faire pendant toute la journée et on respire, on fait la pause clope. Concrètement, la clémentine va t'apporter les mêmes effets. Tu vas arrêter tout ce que tu es en train de faire, couper le téléphone, mail, le boulot, tu vas éplucher ta clémentine et Dieu sait qu'éplucher une clémentine, c'est quelque chose qui prend quelques minutes, c'est assez technique, il faut se concentrer. Hein. Donc pareil, c'est à peu près autant de la méditation qu'une clope, hein, quelque part, éplucher une clémentine. Et puis tu vas manger cette clémentine, ça va te régaler. Tu vas manger ce magnifique fruit entier, te réhydrater, manger ses fibres, tout ce qu'il y a de bon à l'intérieur. La Clément Clope, c'est remplacer cette putain de saloperie de cigarette par une magnifique clémentine. Et avec ça, mon ami, tu vas arrêter de fumer. Mets-moi dans tes commentaires au bout de combien de temps tu y arrives. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!